surmonter l'envie d'abandonner, qui n'a pas eu envie évidemment d'arrêter quand il a décidé de s'engager sur un projet, notamment un nouveau projet. Sachez qu'il en va dans la vie comme dans la nature, on a parfois des phases comme ça un petit peu compliquées. Souvent au début c'est nouveau, on a un nouveau projet, on sent qu'on se préoccupe de quelque chose qui est important à nos yeux. Donc du coup, on y porte évidemment beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Et évidemment, au départ, on a envie d'y aller. C'est pour ça que c'est plus facile. Et puis arrive un peu cette phase de traversée du désert. À force de faire et de refaire, on s'aperçoit que c'est compliqué. C'est un peu comme monter en montagne. On a perdu le cap, on a oublié un peu le sommet. Et puis on est dans la difficulté de la pente. Et pas à pas, pas à pas, pas à pas, il faut continuer de continuer. Là, on perd un petit peu la stimulation. Que ce soit dans le sport, si vous avez une grosse compétition à remporter d'ici 3 mois, 6 mois ou un an, eh bien, vous serez fortement engagé quand vous êtes connecté justement à la vision que vous avez et surtout parce que vous sentez que cette vision répond à des aspirations qui sont fortes. Mais à partir du moment où vous allez aller vous entraîner, il y a des moments où dans cette inclinaison de croissance, eh bien, vous allez prendre de l'accélération parce que vous sentez que vous avancez, c'est stimulant, c'est super. Et puis, il y a des moments, vous stagnez, voire même vous régressez. Et là, c'est dur, c'est compliqué parce qu'il faut y retourner. On n'a pas envie, c'est dur, etc. Et on a envie d'abandonner. Et vous savez, il y a une chose qui a fait une énorme différence dans ma vie. C'est quand je me suis rendu compte, moi qui m'intéressais à plein de choses, que c'est la profondeur qui fait la différence. Vous savez, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit, quel que soit le métier, la musique, les arts, etc., eh bien, on n'atteint pas le sommet en prenant l'ascenseur. Il y a chaque étape à ses étapes, c'est des marches d'escalier, c'est des paliers, puis des marches à nouveau, puis des paliers, puis des marches à nouveau, puis des paliers. Et il faut cette continuité. Et pour continuer à continuer, c'est très important à la fois de comprendre le pourquoi on fait ça, quel est le sens que l'on donne à ce projet, pourquoi on a eu envie à un moment donné de s'engager, quelles sont les valeurs au fond qu'on nourrit pour soi, pour les autres, pour le monde, quelle est la vision et comment je peux me connecter à mon avenir pour retrouver la stimulation à avancer. Et puis enfin, qu'est-ce que je peux faire pour ritualiser plus encore, eh bien, cette nouvelle attitude, cette capacité à avancer en acceptant eh bien, que les petits pas cumulés sont beaucoup plus importants que donner beaucoup et puis s'arrêter. Donc, c'est les petits pas constants qui vont faire la différence. Le succès, ce n'est rien d'autre qu'une succession d'étapes qui avancent dans la même direction. Donc, on continue de continuer et de garder à l'esprit que c'est toujours la profondeur qui finit par payer, plus que la diversité. Et donc, moi, je vous invite à vous ramener en permanence au sens de ce pourquoi vous faites les choses, à la connexion de la vision que vous avez à l'égard de vous-même ou des autres, si vous remportez ce projet. Et puis, quand vous avancez, que vous commencez que c'est dur, à vous arrêter, à revenir sur les petits pas et à célébrer. Célébrer cette avancée, vous féliciter parce que c'est très important d'alimenter eh bien, cette énergie intérieure en sentant que le plus important finalement, ce n'est pas la finalité, mais c'est le voyage qui est en route. C'est l'avancée dans laquelle vous êtes, c'est la progression dans laquelle vous êtes. Et puis cette idée d'aiguiser de plus en plus eh bien, vos compétences, vos sensibilités, vos savoir-faire à l'égard des situations que vous remportez à chaque fois. Voilà un petit peu quelques éléments que je vous invite moi à méditer pour continuer à avancer. Et puis si toutefois vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à venir sur nos sites, découvrir aussi sur nos chaînes, que ce soit sur YouTube ou sur nos réseaux sociaux, eh bien, la manière dont on va fournir, moi et mon équipe, du contenu justement pour vous aider à changer, pour vous aider à évoluer, pour découvrir cette infinie richesse qui anime chacun d'entre nous finalement, et de voir comment on peut justement aller chercher ces trésors qui sont à l'intérieur de nous pour grandir, croître, embellir et aller vers plus de bonheur et en même temps de succès souvent dans la vie. Voilà, au plaisir en tout cas de vous retrouver pour d'autres vidéos et je l'espère peut-être vous rencontrer plus directement. Merci.